Gloire à Dieu. Amen. Satan est fâché quand il voit que Jésus est glorifié. Ici, on ne glorifie pas des hommes. Quand on acclame le Seigneur, pas moi, ni papa. On acclame le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ok, on va avoir un message qui va nous pousser encore dans la réflexion. Si tu peux déjà te préparer, prends ton cahier, ta Bible, tout ce qu'il faut pour noter. Prends ta Bible. Note le thème de ce message, la chute de Lucifer. La chute de Lucifer. Je vais donner 7 points qui vont nous montrer pourquoi cet ange a chuté. Vous allez voir que des fois nous avons aussi ces 7 points. Satan a perdu le ciel à cause de ces 7 points que nous allons voir. Et aujourd'hui, beaucoup peuvent aussi quoi? Risque de louper le ciel à cause de ces choses que nous allons voir ce matin. Amen. Donc là où tu es, concentre-toi réellement de tout ton cœur pour entendre cette parole. Amen. Pendant qu'on se prépare, Déborah, tu te prépares aussi pour la lecture. On prépare nos Bibles déjà. On a noté le thème. C'est quoi le thème? J'ai pas bien entendu. La chute de Lucifer. Ok, la chute de Lucie. Lucifer. Ok, prenons le livre d'Ézéchiel, chapitre 28. Ézéchiel, chapitre 28. Qui a soif d'entendre la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la vérité? Amen. Ok, ce matin, on va parler. Ok, Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 13 jusqu'au 19. Déborah, si tu es prête, tu peux nous aider dans la lecture. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Mm-hmm. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, mm-hmm. de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraudes ainsi que d'or. Mm-hmm. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, mm-hmm. préparés pour le jour où tu as été créé. Mm-hmm. Continue jusqu'à 19. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais, sur la sainte montagne de Dieu. Mm-hmm. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Mm-hmm. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, mm-hmm. et ce jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. Mm-hmm. À cause de la grandeur de ton commerce, mm-hmm. tu as été rempli de violence et tu as péché. Mm-hmm. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Mm-hmm. Ton cœur s'est enorgueilli mm-hmm. à cause de ta beauté. Mm-hmm. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Mm-hmm. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Mm-hmm. Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je te fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Mm-hmm. Je te réduis en cendres sur la terre devant tous ceux qui te regardent. Mm-hmm. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont consternés à cause de ce qui t'arrive. Tu provoques de la terreur. Tu n'existeras plus jamais. Amen. Clamons la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez coller ce verset, ce chapitre avec Ésaïe chapitre 14. On nous parle aussi de la chute de Lucifer. Amen. Ici, nous connaissons tous Lucifer, l'ange déchu. Amen. Il faut déjà savoir, Église, que Dieu n'a pas créé Lucifer méchant, mauvais. Parce que Dieu nous créerait de mauvais. Amen. Amen. Suivez attentivement. Dieu n'a pas créé Lucifer méchant. Dieu a créé cet ange. Je donne l'introduction, je vais doucement. Dieu, la Bible nous montre déjà trois archanges dans la Bible. Michel, Gabriel et Lucifer. Il y a d'autres, mais la Bible ne nous révèle pas les noms. Parmi ces trois anges, Lucifer avait beaucoup de responsabilités. Lucifer était beau. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas perdu sa beauté. Lucifer avait beaucoup de pierres sur lui. Lucifer avec beaucoup de connaissances, il était beau. Et la musique était en lui. En soi, comme si quand il marchait, la musique jouait. Il avait beaucoup de gloire
en lui Lucifer. Il était intègre, il craignait le Seigneur. Mais jusqu'au jour, l'orgueil va commencer. Parmi ces trois archanges, Lucifer a reçu plus d'autorité et de responsabilité. Mais qu'est-ce qui va se passer? À cause des responsabilités, l'orgueil a commencé. Il s'est sûrement dit, ah, moi comme je suis là, je suis quelqu'un de très grand. Je peux même prendre la place de Dieu. Faites attention à l'orgueil. Faites attention, frères et sœurs. Quelles que soient les responsabilités que tu peux avoir dans l'église, quelle que soit la beauté que tu as, quelles que soient les richesses que tu as, ne pense jamais à l'orgueil. N'oublie jamais celui qui a fait que tu sois là où tu es aujourd'hui. Satan, ce qui va le pousser dans sa chute, c'est parce que Satan a oublié celui qui l'a créé, qui a fait que tu sois beau. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, c'est lui qui a fait que tu sois aujourd'hui. Ne te vante pas de ta beauté. Ne te vante pas de ta richesse. Ne te vante pas de ta belle voix. Ne te vante pas du don que tu as. C'est Dieu qui a fait que tu ailles ça. Donc, utilise l'humilité pour ne pas perdre le ciel. Satan va oublier. C'est lui qui l'avait créé. Et l'orgueil va commencer. Je peux prendre la place de Dieu. Je vais détailler 7 points après. Je peux prendre la place de Dieu. Pourquoi? Parce que moi aussi je suis quelqu'un. Moi aussi je connais. Moi aussi je peux. Tu peux. Mais n'oublie pas ton supérieur. Lucifer, n'oublie pas ton supérieur. Amen. Alors la Bible va nous dire que Lucifer va être quoi? Rejeté. Qui a déjà entendu ça que au ciel, Satan s'est révélé? Lèvez la main, soyez sincère. Même moi, je l'ai prêché aussi un jour. Dans la méditation, j'ai découvert que Satan ne s'est pas révélé au ciel. Posez-moi la question, pourquoi? Posez bien la question. Vous êtes facile. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de péché. Au ciel, il n'y a pas de mal. Parce que si Satan s'est révélé au ciel, ça peut encore se reproduire avec un autre ange. Mais Satan s'est révélé où? En Éden. Lisez bien la Bible. Parce que la Bible dit que tu voulais monter où? Dans la montagne de Dieu, là où Dieu était. Pour aller mettre quoi? Son trône. Donc son péché n'a pas commencé au paradis. Parce qu'au paradis, c'est un lieu saint. Le ciel, il y a Dieu. Le mal ne peut pas exister. Le mal ne peut pas entrer. Donc Satan ne s'est pas révélé au ciel. Il s'est révélé sur la terre. Parce que la terre, c'est là où il y a le péché. Mais au ciel, c'est la sainteté. Au ciel, c'est l'amour. Au ciel, c'est la joie. Au ciel, c'est la paix. Au ciel, il n'y a pas de méchanceté. Au ciel, il n'y a pas de violence. Alléluia. Donc, Satan était où? En Éden. C'est là où quoi? Il va se rébeller contre son créateur. Il a vu que moi, là, j'ai beaucoup de choses comme les hommes de Dieu aujourd'hui qui veulent devenir des dieux. Dieu t'a donné une onction. Toi, tu penses que tu es devenu Dieu. Tu peux être rempli de Dieu, mais tu n'es pas Dieu. Tu peux être rempli de la présence de Dieu, mais tu n'es pas Dieu. Humilité. Dis à ton voisin, humilité. Soyons toujours humbles, frères et sœurs. Donc, il y a 7 points qui vont pousser Lucifer dans sa chute. L'ange qui avait tout, qui était respecté, beaucoup de choses qu'il faisait pour le Seigneur. Mais regardez, c'est comme les hommes aujourd'hui. Parfois, nous commençons bien avec Dieu, mais on finit toujours quoi? Mal. Vous allez voir que la majorité des gens commencent bien avec le Seigneur. Ils sont zélés pour le Seigneur. Ils aiment les choses de Dieu. Ils aiment l'Église. Mais avec le temps, ils commencent à quoi? Rétrograder. Lucifer, c'était le cas aussi. Alors, l'un des premiers points, si vous voulez le noter, l'un des premiers points qui va pousser Lucifer dans sa chute, qui va le pousser à perdre le ciel, l'iniquité, le péché. Premier point. Amen. Je vous laisse le temps de noter. Satan va perdre le ciel à cause de l'iniquité, le péché. Alors ça, ce n'était pas au ciel, c'était sur la terre, en Éden. La Bible va nous dire que Satan en lui, il y avait quoi? L'iniquité. En soi, quand on dit l'iniquité, ça veut dire quoi? C'est un péché que tu as tellement consommé, et que tu pratiques avec conscience. Ça devient quoi? L'iniquité. Donc certainement Dieu avait vu le premier jour là où Satan avait des mauvaises choses en lui. Mais Dieu, par sa grâce, il espérait qu'un jour cet homme, là, Satan, pouvait se repentir. Mais Satan ne s'est pas repenti. Jusque son péché devenu quoi? Iniquité.
Je vais dire à quelqu'un ce matin, fais attention. Il y a des péchés qu'on ne voit pas à l'œil nu, que tu gardes en toi. Ces péchés peuvent faire en sorte que tu perds le ciel. Il y a des péchés que nous ne voyons pas, que seul Dieu voit. Ces péchés que tu commets dans ta chambre, que personne ne voit. Ces pensées impures que tu entretiens en toi, que personne ne voit. Sache que mon frère, ma soeur, tu peux perdre le ciel. On n'a pas dit si Satan a fumé, Satan a couché, Satan s'est masturbé. Non, une pensée qui était en lui, que personne n'a vue, mais Dieu voit toutes choses. Écoutez, on peut cacher des choses aux hommes, mais tu ne peux pas cacher des choses à celui qui a des yeux comme des flammes de feu. Lui, il voit toutes les choses que tu caches. Alors, qu'est-ce que nous cachons, frères et sœurs, dans nos églises? Qu'est-ce que nous cachons à nos responsables? Qu'est-ce que nous cachons dans nos cœurs? Est-ce qu'il n'y a pas d'iniquité dans nos cœurs? On te prêche, on dit les mêmes choses. Arrêtez ceci, ne faites pas ceci, n'allez pas dans tel endroit. Mets-toi dans ton cœur, il y a l'iniquité, il y a un péché qui est rentré et Dieu est en train de voir. Et Dieu m'a dit de te dire ce matin, répands-toi parce que tu peux perdre le ciel. Répands-toi, Église, parce que tu peux perdre le ciel à cause de ce que tu entretiens. Une mauvaise pensée peut-être contre Wendy. Une mauvaise pensée contre le prédicateur. Quelque chose qui est en toi que personne ne voit, que Dieu appelle l'iniquité. Jusqu'à quand vas-tu lutter avec cette chose-là qui est en toi, Lucifer? Qu'est-ce que Satan n'avait pas au ciel? Qu'est-ce que Satan n'avait pas en Éden? Il avait tout, mais il s'est rébellé. Alléluia. Nous avons aussi des choses qu'on entretient dans nos cœurs. Et Dieu est en train de te dire ce matin, changeons. Changeons les choses que nous entretenons dans nos cœurs. Quand tu viens, tu souris aux gens. Mais or, au fond de toi, tu sais bien ce que tu caches. Il y a des choses qu'on entretient. On est bien habillé, bien maquillé. Mais que caches-tu dans ton cœur? Soyons vrais, frères et sœurs. Arrêtons d'être hypocrites dans nos églises. Ce que tu sais qui est mauvais dans ton cœur, dis-le. Parce que le péché, ce n'est pas seulement j'ai tapé, j'ai couché. C'est des sentiments qui sont en toi, là, que tu entretiens, que tu aimes. Les désirs charnels sont en toi. Tu sens des désirs qui montrent. Tu aimes ça. Dieu voit. Les mauvaises choses que tu caches en toi, que tu vois là, Dieu est en train de te dire, ma fille, mon fils, change. Parce que tu peux perdre le ciel. Satan a perdu le ciel, il a gagné l'enfer. Est-ce que tu veux faire la même chose? Qui veut aller en enfer ici? Qui veut aller en enfer? Personne. Alors appliquons la parole de Dieu. Satan, c'est ça qui va le pousser en enfer. Il avait tout. Il avait tout au ciel, sur la terre, en Éden. Il marchait sur des pierres qui brillaient. Il marchait sur de l'or. Son habit, son apparence était tellement beau. Mais Satan, qu'est-ce qui te manque pour que tu puisses défier le Créateur? Parce qu'il voulait la place de Dieu. Il voulait se révéler pour dire que moi aussi, je serai semblable à lui. On va arriver à ce point après. Moi aussi, je serai comme lui. Il se prend pour qui? Il a l'onction, j'ai l'onction. Il a la parole, j'ai la parole. Il est beau, je suis beau. Il a la barbe, j'ai la barbe. Et alors? C'est pour dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu as, n'oublie jamais celui qui te l'a donné. Amen, amen, amen. Noé, un jour, il aura la barbe comme moi. Il aura des choses comme moi, mais je serai toujours son père. Amen. Nous avons des enfants, nous avons des frères et sœurs. Quel que soit ce qu'ils peuvent avoir, je vais dire à quelqu'un, ne manque jamais du respect à tes parents, à tes responsables, parce que tu es plus élevé qu'eux. Même si tu gagnes, je vais parler. Même si tu gagnes plus qu'eux, même si tu as de plus belles voitures qu'eux, respecte la personne qui a fait que tu sois là où tu es aujourd'hui. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les églises, même dans nos familles, sont détruites. Pourquoi? Moi, j'ai un poste. Moi j'ai étudié, mon père lui, il était dans la brousse, il n'a pas étudié comme moi, moi j'ai tout, et tu vois ton père comme moi qui rêve, n'oublie pas celui qui a fait que tu existes. Amen. Dieu est passé au travers de lui pour que tu sois là aujourd'hui. Amen. Mais combien aujourd'hui sont capables de manquer du respect comme Lucifer en soi? Lucifer va manquer du respect au Seigneur. C'est lui qui a fait que tu sois, c'est lui qui t'a donné les pierres, que... oh Jésus, les pierres que tu portes, les habits que tu as, c'est Dieu qui les a fait pour toi. Mais tu n'es pas reconnaissant envers ton Créateur, Lucifer. Va commencer à avoir de mauvaises choses en lui et va vouloir se rébeller contre le Seigneur. Pourquoi? Parce que les mauvaises choses qu'on entretient, si tu ne les arranges pas, un jour vont te tuer. Ce que tu caches, c'est ça qui va te tuer un jour si tu ne l'arranges pas. Donc c'est pour ça que je veux dire à l'Église, chaque fois que tu sois une mauvaise chose, change. Chaque fois que tu sois une amertume, change.
Est-ce que je peux parler ici? Chaque fois que tu sens une haine contre Jonathan, non, je refuse la haine. Chaque fois que tu sens un désir contre maman Chantal, non, ça ce n'est pas de moi. Je suis un enfant de Dieu. Je n'ai pas la nature de Satan. J'ai la nature de Jésus en moi. Donc la haine ne peut pas s'installer dans ma vie. Je dois aimer mes frères et soeurs. Même si on m'a blessé, même si on m'a mal parlé, j'ai la nature de Jésus. On l'a mal parlé, il a aimé, il a pardonné. Donc moi je ne vais pas maudire les gens parce qu'on m'a mal parlé. Pourquoi? J'ai la nature divine de Dieu. J'ai la nature de Dieu en moi. Donc mon frère, ma soeur, c'est pas parce que tu vas traverser des choses compliquées que tu vas commencer à haïr les gens. Dis toujours, ma chère ressent des choses. Je sens des douleurs. Je sens qu'on m'a mal agi envers moi. Mais il y aura des luttes. Soit tu deviens Lucifer, ou soit tu continues d'être l'enfant de Dieu. Tu décides de quoi? Qui n'a pas mal quand lui, quand on lui fait du mal? Moi j'ai mal quand on me fait du mal. Mais j'ai compris que le mal ne peut pas me dominer. Le mal ne peut pas nous dominer. Donc ce que tu ressens, ces sensations-là ne peuvent pas te dominer. Quels que soient les endroits où on va t'entraîner, ni qui t'en, on va te humilier. Mais Satan va utiliser des gens qui sont déjà rejetés, qui sont déjà chutés, pour te faire chuter à toi. Je vais dire à quelqu'un, ne laisse jamais un déchu te faire chuter ta destinée. En d'autres termes, ne laisse pas un raté te faire rater ta destinée. Satan a déjà loupé sa destinée. Raison pour laquelle nous sommes combattus tous les jours. Parce que lui, il sait qu'il a perdu le ciel. Donc, il va vouloir que toi aussi tu ailles brûler en enfer avec lui. Amen. Mais tout ça a commencé comment? Des mauvaises pensées, des mauvaises choses qu'il entretenait. Et pourtant, il avait tout en grand. Et jour que Dieu a vu ça, il a dit quoi? Ce jour, j'ai vu que tu ne peux vraiment pas changer. Je vais te rejeter. À partir d'aujourd'hui, je te rejette, Lucifer. Il ne s'appelait plus Lucifer. Il s'appelait comment? Satan, l'adversaire, le diable. C'est là qu'il a gagné son nom, l'accusateur. Il a perdu le nom Lucifer pour devenir Diabolos. Diable, Lucifer, le méchant. C'est lui qui nous combat, l'ennemi de quoi? De notre âme aujourd'hui. Il a perdu le premier point, c'est quoi? L'iniquité qui a été trouvée dans son cœur. C'est ce qui a fait que, attention, il va faire tomber la caméra. C'est ça qui a fait qu'il perd quoi? Le ciel. Alléluia. Le deuxième point qu'on peut noter ici, c'est quoi? La convoitise. La convoitise. Qu'est-ce que Lucifer convoitait? Le trône de? Lucifer, il convoitait quoi? Le trône de Dieu. Moi aussi, je monterai jusque pour mettre mon quoi, mon trône au-dessus des étoiles. Il voulait aller plus loin. Il voulait la place de Dieu, la convoitise. Est-ce que nous ne sommes pas de ce genre de personnes des fois? On convoite tout. Tu veux des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu veux la femme d'autrui. Tu veux les hommes d'autrui. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Dis à ton voisin, ce qui n'est pas à toi n'est pas à... Combien de personnes aujourd'hui, je vais quitter ma femme parce que je convoite ailleurs. Je vais quitter mon mari parce que je convoite ailleurs. Combien de gens, je vais quitter mon travail parce que là-bas, je convoite. Ce n'est pas mauvais, mais quand tu commences à convoiter, ça devient mauvais. Alléluia. C'est ça que Lucifer va vouloir faire. Je vois le trône de Dieu. Mais Lucifer, Dieu t'a tout donné. Je vais dire à quelqu'un, sois satisfait de la place que tu as aujourd'hui. Sois satisfait du peu que tu as. Ne convoite pas. Sois dans la joie avec le peu que tu as. Amen. Ne commence pas à convoiter, envier ce que les païens ont, ce que d'autres ont. Sois toi-même. Dis à ton voisin, sois toi-même. Lucifer, Dieu t'a tout. Pourquoi tu convoites ailleurs? Aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Et quand une personne mal de la... Je vais parler, Jésus. Ah, je vais parler. Quand une personne a cet esprit de convoitise est capable de tout faire pour avoir la chose qu'il veut. S'il veut tuer les gens, il va tuer juste pour avoir la chose qu'il veut. Raison pour laquelle les jeunes filles ou les jeunes garçons, bon, je vais d'abord commencer par les jeunes filles. Il faut pas me lapider après. Raison pour laquelle les jeunes filles sont capables de se marquer comme des sorcières pour avoir l'homme qu'ils veulent. Dites amen. Amen. Ils sont capables de se marquer comme des socodions ou des cadiapèmes, des sorcières, juste pour avoir l'homme que je veux.
L'homme qui te veut n'a pas besoin que tu te maquilles comme une sorcière. L'homme qui te veut a besoin de voir ton caractère en Christ. Je vais parler ici. L'homme qui te veut n'a pas besoin que tu fasses que le jour qu'il va te voir sans maquillage et qu'il verra ton vrai caractère, c'est fini. Donc quand quelqu'un veut convoiter, il va tout faire. Il va se maquiller. Voilà pourquoi. Église, faisons attention. On ne dit pas que vous ne pouvez pas prendre soin de vous. Hein? Et qu'il dit, papa, sinon on va nous chicoter. On ne dit pas que vous ne pouvez pas prendre soin de vous. Mais quand ça commence par la convoitise, là on doit parler. Maquillage, comme on dit, les cils qui vont jusqu'au plafond. Et puis tu fais des photos, tu zooms bien. Tu montres quoi? Convoitise, attention. Alléluia. Ah, là, vous dites plus amen, vous n'allez pas m'aimer. Des cils qui vont jusqu'au plafond. Et on fait des photos sur Facebook. Tu veux convoiter pourquoi? Tu veux attirer qui? Alléluia. Des rouges à lèvres, des rouges à noir, je ne sais pas quoi, qui vont jusque bizarrement comme ça, comme des pharaons là. On met des choses mystiques qui vont jusque là. Sois simple, sois belle, mais. Sois belle, mais. On n'a pas besoin de nous comporter comme le monde. Les cheveux qui vont jusqu'aux pieds, c'est quoi? Convoitise. Tout ça parce que tu veux avoir le trône, le cœur d'un homme. Tu n'as pas besoin de faire tous ces efforts. Parce que l'homme qui t'aime lui-même vient. On n'enseigne pas beaucoup sur le mariage, mais on a des principes du mariage. On n'a pas besoin de vous faire asseoir. Tu vas être comme ça, tu dois te laver parce que tu pues de la bouche. On n'a pas besoin parce qu'il y a des églises qui enseignent tout ça. Mais quand on a les principes, le reste va tout seul. Alléluia. Donc ici, tu n'as pas besoin de faire des choses mystiques pour attirer le regard des autres. Aie un bon caractère, comporte-toi comme il faut et Dieu enverra Adam. Tout simplement. Mais des fois, on fait des efforts, on se complique. Tout ça parce qu'on a l'esprit de convoitise. Et cet esprit de convoitise est en train de détruire beaucoup de jeunesse. Surtout les chrétiens. Je vais parler pour les chrétiens. Moi, des fois, je ne comprends pas. Comment, étant que chrétien, on peut s'habiller comme des païens, soi-disant, nous sommes des chrétiens? Il est temps de dire la vérité. Nous sommes au temps de la fête. Si on ne dit pas la vérité, Dieu va nous demander des comptes. Comment toi, tu t'habilles? On dirait que tu es païen. Tout ça parce que tu veux le trône de quelqu'un. Et il y a même des chrétiens qui sont capables de casser le foyer de l'autre, parce qu'il veut l'homme, il veut la femme. Hey, je peux parler? C'est des choses qui se passent dans nos églises. Hein? Des mamans, des papas qui viennent casser le foyer des autres parce que tu veux la soeur qui est là-bas. Convoitise. Et si tu continues comme ça, je te dis, tu vas perdre le ciel. Si on continue dans cette pensée, nous allons perdre quoi? Le ciel. Lucifer, c'était ça. Sois satisfait de l'homme que Dieu t'a donné. Sois satisfait de la femme que Dieu t'a donnée. Alléluia. Soyons satisfaits de ce que Dieu nous a donné. Tu as une voiture qui fume beaucoup, sois content. Ah oui. Tu as un mari qui boit un peu, sois content. Viens nous pousser à être des chrétiens, pas des chrétiens. Tu as un peu de salaire, sois content. Si tu sais manger, vivre, payer tes factures, sois content, ne convoite pas. Parce qu'à force de convoiter, tu vas toucher à l'occultisme, à la sorcellerie. Sois content du peu que tu as, ne convoite pas. Oui, mais regarde lui, tu sais comment lui il a eu? Il a peut-être tué les gens pour avoir le poste qu'il a. Non, mais j'ai fait cette voiture, il me faut absolument. Tu sais que la personne a payé mon prix? Bon, j'ai pas dit ne pas acheter, hein. Ceux qui ont des projets, c'est pas contre vous. Nous, hein, vous savez ce que je veux dire. Alléluia. Donc, si tu veux quelque chose, ne convoite pas. Si tu as les moyens, si tu sais que tu peux, fais-le. Mais si tu n'as pas les moyens, ne convoite pas le trône qui ne t'appartient pas. Dis à ton voisin, ne convoite pas le trône qui ne t'appartient pas. Parce que ce que Dieu te donne est suffisant pour ta propre vie. Ce que Dieu te donne, c'est suffisant pour vivre ta vie. Lucifer n'était pas satisfait. Et beaucoup sont comme ça, même dans le ministère, les serviteurs de Dieu. Je veux aussi avoir une big église. Je veux une big church. Moi, tu vois l'église là-bas, je veux faire comme eux. Lui, il a peut-être payé le prix que toi, tu n'as pas pu payer, donc sois toi-même. Oh, ils ont 10 millions, je vais parler. Ils ont 10 millions de fidèles. Nous, on n'a que deux, franchement, c'est pas ça qui compte aux yeux du Seigneur. Ils peuvent être à 10 millions, on peut être à 5, mais des fois ceux qui sont à 5 sont plus spirituels que ceux qui sont à 10 millions. Donc arrêtons de convoiter. Et des fois, il y a des chrétiens comme ça. Moi je quitte messager de paix, j'arrête là-bas. Pourquoi? Parce que chez nous la louange, je dirais, c'est pas la louange qui compte d'abord, c'est la parole. Je vais parler. Il y a des églises, tu rends la louange, on dirait que le ciel va tomber. Mais quand c'est la prédication, on dirait qu'on t'envoie en enfer. Donc je prie.
préfère avoir la parole, la vérité, que d'avoir une louange qui me fait sauter, mais qui ne saute pas à mon âme pour changer pour Jésus. Et des églises comme ça, tu vas quitter ton église pourquoi? Ah, parce que la louange d'abord n'a pas la voix. Là-bas, ils ont la foi. Ils ont la foi, mais ils n'ont pas la parole. Il faut d'abord la parole pour te construire. Et d'ailleurs, c'est toi qui mets l'ambiance. Tu comprends pourquoi toi, tu ne viens pas l'ambiance. Non, je préfère aller là-bas. Sois toi alors le modèle. Quand tu viens, fais comme. Danse comme maman Chantal. Il faut que le lieu soit. Danse comme Carla. Des fois, on dit dans mon église, c'est ça, mais l'instrument, c'est toi. Amen. Tu attends quoi pour que tu sois l'instrument? Je sais pas, c'est froid. C'est... Toi, quand tu viens, comme je danse pour. Tu danses. Et danse pour Jésus. Viens ton voisin. Est-ce qu'on peut se lever pour danser un peu? On va danser, mais oui. Vous voyez, ça commence. Non? Est-ce qu'on peut. Bon, c'est vrai, il est où? Bon, elle est là, le prix dans son. N'allez mettre un son pour le faire dans ses mains. Tapez des mains. Bougeons un peu. Voyez? Bougeons un peu pour Jésus. Et... Bougeons un peu. C'est un bien, même pas par lui qui est vieux, dansez vous là. Et... Dansons pour Jésus. Si tu es conscient qu'il t'a sauvé comme David, tu danses pour Jésus. Et l'ambiance viendra parce que toi tu le craignes. Alléluia. Gloire à Jésus. Bon. Là on voit qu'on est capable. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Allez, l'église. Au lieu de convoiter ailleurs, crée ta propre recette aussi dans ta propre église. Ah oui. Au lieu d'aller vouloir, comment il faut manger, crée ta propre recette. Moi je parle à moi. Bon, ça c'est pas l'orgueil de Satan. Moi je fais mes crevettes, personne ne peut m'attraper. Ali, tu vas goûter ça, tu vas voir. Personne ne peut me dépasser. Moi je sais ce que je fais. Je ne vais pas commencer à envier à l'heure. Ailleurs. D'ailleurs, tous les crevettes que je mange à l'extérieur, des fois, ça fait moins de sous. Je sais que moi, je fais. Oui, mais. Ce que moi, je fais, c'est des vraies crevettes. Quand tu manges, tu sens que la bouche est en train de zouker, tu danses. Pourquoi? Parce que toi, tu connais la chose. Donc, je vais dire à quelqu'un, si tu as la chose dans ta propre église, deviens la chose qu'on recherche. Si tu sais ramener la joie, ramène la joie. Si tu sais ramener la danse, danser, danser. Si tu as la foi, amène la chose. Ah, si je parle à quelqu'un, ramène la chose. Ça va nous pousser à ne pas convoiter ce qui se passe à l'extérieur. Mais si toi tu as la chose, il n'y a personne comme maman Chantal. Amen. Elle est unique dans son genre. Amen. À quoi que ce soit les gens, c'est son don à elle. Amen. Je ne vais pas commencer à convoiter. Dans mon église, il n'y a pas de souci, je dis. Dans mon église, il y a maman Chantal. Amen. Dans mon église, il y a maman Elisa. Donc chacun de nous, l'église, a quelque chose. Amen. Chacun de nous a un dépôt. Mais le problème, c'est qu'on est trop timide. Quand papa Dieu, des fois, un jour, ça ne vous a pas fait du mal. On arrête un culte parce que vous ne voulez pas parler. Après, vous allez dire quoi? J'ai jamais vu ça ailleurs. Hein? Ailleurs, ils sont des. Bon, excusez-moi du thème des bêtes, ils ne savent pas. Il y a des personnes qui préfèrent qu'on leur prêche en dessous du rond. Mais posez la question. Le culte était bien. Oh, c'était fort. Le pasteur va le prêcher. Je vois même les mouches, je disais amen. Mais tu as compris quoi? C'était fort. Tu as compris quoi? C'était fort. Non. Un culte fort, c'est lorsque tu comprends la matière. En culte fort, c'est lorsque tu comprends ce qui est dit. Non, mais on a prophétisé sur la soeur, elle va voyager au Congo. Ça ne sauve pas. Mais on a prêché que Jésus revient. Tu dois me mettre en ordre, ça change. Alléluia. Posez la question des fois aux gens. Ils ne savent pas. Mais c'était wouh! On dirait que ce jour-là, l'archange Michel est venu faire trembler tout. Qu'est-ce que tu as compris? Le verset, c'était quoi? Apocalypse. Hein? Des fois, c'est ça, frères et sœurs. Donc, pour ne pas convoiter ailleurs, deviens la chose qu'on veut dans notre église. Deviens cette chose. Mais le problème, c'est qu'on est tellement mangé dans mon confort, j'attends que Jonathan le fasse. Un homme mature n'attend pas que l'autre fasse. Il fait la chose pour qu'il devienne modèle. Le problème aujourd'hui, c'est ça, comme on disait. On attend que l'autre chauffe. Papa Dieu vient chauffer. Moi, je viens chauffer pour qu'on commence à chauffer. Des fois, ça m'énerve quand je vois ça. Il faut que vous-même, des fois, vous commencez à chauffer. Il faut que nous, on chauffe. Nous, on vient ici, on chauffe. Des fois, on voit les têtes, on dirait qu'on n'a pas déjeuné. Il faut que nous, on fasse tout. Écoute. Quand toi, tu as la chose, deviens cette chose. Et Lucifer, je vais sauter. Lucifer n'était pas conscient. Il voulait convoiter. Et Dieu t'a tout donné. Parmi les trois archanges, tu avais plus que. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Insatisfaction de ça. Insatisfaction, pardon. Beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont ça. Ils souffrent dans leur ministère. Hein? Moi, je ne me compare à personne. Papa ne se compare à personne. Il est unique dans sa façon de prêcher. Je suis unique dans ma façon de prêcher. Donc, on n'est pas en train de déprimer. Oui, eux, ils prêchent comme ça. Non, on est unique. Chacun de nous est unique dans son genre. Amen. Chacun de nous a sa façon et respectons tout simplement la façon de l'autre. Amen. Mais beaucoup n'ont pas ça. Et ils vont même toucher à la sorcellerie. Vous savez, un homme de Dieu un jour avait dit,
Je suis parti chez le féticheur parce qu'il voulait avoir une grande église. Parce que mon église ne grandissait pas, les âmes venaient, ils partaient, les âmes venaient, partaient. Et je voulais impacter. Et là, touché à la sorcellerie. L'église a grandi. Pasteur sorcier, fidèle sorcier. Ah oui? Quand tu vas toucher à l'occultisme, les gens que tu prêches, ils reçoivent quoi? Ta semence de la sorcellerie, donc tu as des fidèles sorciers. Ah oui? Quand tu vas toucher à la sorcellerie, parce que tu veux que ton église grandisse, parce que tu veux convoiter. Moi, je veux que mon église grandisse là-bas. Ton église peut grandir, mais laisse Dieu faire grandir ton église. Ne la fais pas grandir dans la sorcellerie. Je vais toucher au gris-gris, comme j'avais vu avoir un autre. Il avait mis du courant devant le pupitre. Je vous ai déjà raconté ça. Soit bizarre pour l'onction. Les gens qui venaient, quand ils s'approchaient, quand ils touchaient là avec le courant, ils tombaient. Lui, il était de l'eau. Vous voyez, j'ai pas besoin de m'approcher, j'ai l'onction. C'était le courant qui était là. Il avait mis le courant. Dès que les gens s'approchaient, ils tombaient. Mais c'était le courant qui était là. Et lui, de loin, mon Dieu est puissant, mais c'était le courant. On n'a pas besoin de tricher. Laissons le Saint-Esprit faire son travail. Moi, ce que j'ai dit à le Seigneur, envoie-moi dans une petite église là où nous allons tous évoluer et grandir ensemble. Je n'ai pas dit, Seigneur, envoie-moi dans une grande église qui a déjà payé le prix. Moi, je vais payer le prix avec mes messagers de paix. Ensemble, nous allons avancer. Ensemble, nous allons aller au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je pouvais le faire. J'avais des appels. Viens dans notre église parce qu'ils me connaissaient certainement sur Facebook. Viens à notre église, toi tu as la chose, on va te nommer là-bas. Je dis à Dieu, Seigneur, ma prière c'est ça, envoie-moi dans une église. Là il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de personnes, mais qu'ensemble nous allons œuvrer. La grandeur d'un homme de Dieu, c'est lorsque tu fais grandir les choses qui n'étaient pas connues. Ah, la grandeur d'un homme de Dieu, c'est ça, c'est pas faire des connexions. Oui, moi je connais un tel qui est connu, non. Moi je ne compte pas sur les gens qui sont connus, je compte sur un Dieu qui fait connaître les hommes. Je ne compte pas sur les hommes connus, parce que j'ai pas besoin d'avoir des hommes qui ont beaucoup d'argent, des tontons sur des pasteurs pour me faire connaître. Non, je compte sur la personne de Jésus. Je compte sur la personne de Jésus. Et un jour, nous allons dire, papa, on a payé le prix. C'était pas facile de voir des gens partir, revenir et pleurer. Vous pensez qu'on ne pleure pas, on pleure. Mais c'est le prix à payer. Mais nous savons une chose, que Dieu va se lever. Cette église ne sera pas telle que la voix. Parce qu'on n'a pas besoin de convoiter ailleurs. Mais nous savons une chose, que Dieu est fidèle. Si sa parole est prêchée, il enverra des brebis. Il enverra. J'ai pas besoin de commencer à convoiter qui que ce soit. Parce que je sais que Aurélie a la chose. Oh, papa Dieu a la chose. Je m'attends à la chose. Et j'attends juste le jour que cette chose va exploser. Diego a la chose. C'est pour moi la chose. André a la chose. Chaque personne ici a la chose. Et si on se discipline, vous allez voir, on va parler de messager de paix. Amen. Jésus sera élevé au travers de toi. Car là, la chose, chaque personne a la chose. Donc, ne convoque pas le trône que tu vois à l'extérieur. Mais sois content de là où tu es. Parce que Dieu, c'est là où il va t'utiliser. Amen. Amen. Mais combien, non? Je commence même à me décourager. Regarde, les mecs crédits, il y a 3, 4. C'est la formation. Amen. C'est la formation. Vraiment, c'est ça. On s'accroche. Amen. On s'accroche. Parce que si tu sais que tu as la chose, tu ne t'inquiètes pas. Parce que tu sais pourquoi Dieu permet certaines situations. Amen. Mais tu es en train d'avancer. Mais Lucifer n'a pas pensé à tout ça. Moi, je veux être comme Dieu. Je veux son trône. Sois Lucifer. Reste à ta place. Continue à diriger la louange, maestro. Mais toi, non. Tu veux tout faire et que Dieu soit ton esclave. Jamais impoli. Toi, tu veux monter vers celui qui a fait que tu sois. L'orgueil a commencé. Il voulait le trône de l'autre. Mais Dieu ne l'a pas permis. Quand de ça, Dieu a vu. Ah, ok. Il te rejette aussi. Il commence à perdre son royaume. Là, on a parlé du deuxième point, n'est-ce pas? Je pense qu'on n'a même pas le temps d'étudier. Il est déjà midi. Comment ça? Bon, le temps passe. On a parlé du deuxième point. On va voir ce deux ou troisième. C'était le deuxième qu'on a parlé. C'est quoi? Quand on suit, c'est bien. Pour ça qu'on prêche, quoi, ce qu'on a prêché, vous allez détailler point par point. Donc là, on va rentrer dans quel point? Troisième point. Vous savez que Lucifer était beau? Ah oui, jusqu'aujourd'hui, quand vous voyez Satan apparaître aux gens, il dit souvent, hey, j'ai vu le diable, il est beau. Il n'a pas de corps comme on pense, une queue ou je ne sais pas comment. Le diable est beau. Hein? Il ne faut pas sortir avec, même s'il est beau. Il était beau parce que la Bible dit que tu étais beau en Éden, mais à cause de ta beauté, il se voyait plus, hein? Leur
Dieu a commencé, moi j'ai des pascars là, moi j'ai des cheveux, tu vois, moi c'est des naturels, moi c'est naturel. Avec un cœur mauvais, ce n'est pas des naturels. C'est des surnaturels sataniques. Donc ici, à cause de sa beauté, il va aussi perdre quoi? Vous savez combien de chrétiens perdent aussi le ciel à cause de leur beauté? Toi, tu es belle en Christ, sois en Christ. Non, parce que top modèle, je dois faire top modèle tant que chrétien. On m'a appelé là-bas pour commencer à défiler des modes. C'est la mode qui va te défiler. Non, parce que je dois montrer mes couilles, je dois montrer que je suis belle. Dieu t'a créé belle. Sois cette... Montre cette beauté pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Lucifer, il avait la beauté, maman Lisa. Il était beau. Quand on le voyait, waouh, Lucifer, tu es vraiment beau. Il brillait. Il avait la chose. Mais à cause de ça, l'orgueil a commencé. Je suis plus beau que Gabriel. Il y a lui d'ailleurs. Il n'est pas beau que moi. Il y a Michel. Lui, c'est un chef de l'armée. Lui, il aime bien combattre. Lui, Gabriel, c'est un messager. Mais moi, j'ai tout. Moi, je monte jusqu'au trône de Dieu pour montrer l'adoration. Et quand je marche, c'est ping, pong, ping, 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 ping. La musique est jouée. Il avait tout en lui. Et l'orgueil a commencé. Ne gonfle pas à cause de ce que tu as. Amen. Il ne faut jamais oublier dans la vie, il y a toujours plus beau que toi. Amen. Il y a toujours plus riche que toi. Il y a toujours plus que toi, donc sois humble. Amen. Et Lucifer, il va oublier que moi, là, je peux être beau, mais il y a quelqu'un qui est plus beau que moi. Yes. Le Fils de l'homme. Amen. La beauté de Jésus, aucun homme ne peut la dépasser. Amen. Lucifer, vante-toi comme tu veux. Il n'y a qu'un homme qui a la beauté de Christ. Jésus n'a pas seulement la beauté extérieure, mais la beauté. Amen. Il a aussi la beauté intérieure. Lucifer, il était laid. Pour moi, il était laid. Vous savez, des femmes qui sont belles, mais un mauvais caractère, pourquoi elles sont laides? Insolentes, qui t'insultent à la maison, qui n'écoutent jamais, qui ne préparent pas, qui ne font rien, même si tu es belle, ne va pas manger ta beauté. Ah oui? Même si tu es belle, ne va pas manger ta beauté. Lucifer avait la beauté. Il croyait que Dieu voulait sa beauté. Non, Dieu voulait ton humilité. Amen. Tu n'as pas cherché l'humilité, Lucifer. Et lui, quoi? Et c'est pour ça qu'il séduit aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui. Ta beauté met le service de Dieu. Arrêtez à chaque fois des photos sur YouTube, Facebook, partout comme ça. Aucun verset aussi des fois. Et des fois, ne mettez même pas de verset de toute façon. Si tu veux te montrer, sois belle, ok? Dis simplement moi, je suis belle, Dieu m'a créé, c'est bien. Mais des fois, Dieu voit aussi l'attention qu'on met. Des fois, on met des photos et c'est pour séduire. Ta beauté, ce n'est pas pour détruire. Je vais donner un témoignage. Vous savez, il y a... une femme, je pense que c'est une youtubeuse ou Instagram woman. Je ne sais pas, je suis pas là-bas, donc comprenez-moi. Comment on dit les gens sur Instagram? Youtubeuse? Bloqueur, voilà, influenceur, voilà. C'était une influenceuse chrétienne, soi-disant. Et elle mettait toujours des photos mystiques. Ah, j'espère que vous m'avez partagé le témoignage, je crois. Elle mettait toujours des photos mystiques. Et à cause des photos qu'elle mettait, elle avait fait chuter beaucoup de personnes dans le péché. Et Dieu l'a jugé, mais... pourquoi tu as ramené beaucoup de gens dans le péché? Mais moi, j'ai rien fait. Oui, mais les photos que tu mettais là, dénudées, séduisantes, ça poussait beaucoup dans le péché. Alors, quand tu mets une photo, il y a des frères qui sont faibles. Il y a des frères qui font pipi sur eux dès qu'ils voient ta beauté. Dès qu'ils voient un peu une partie qu'il ne faut pas voir, ils font pipi sur eux. Donc, soyons matures, c'est vrai. Vous jouez avec le monde. Aurélien, je te dois témoigner ce que tu as vécu. Il y a des gens qui regardent ta photo, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Un jour, j'ai le témoignage aussi. J'avais mis ma photo sur WhatsApp. Le Saint-Esprit me parle. Change cette photo. Mais la photo en soi n'avait rien de vulgaire. Hein? La photo en soi n'avait rien de vulgaire. Et je venais de prier pour une sorcière. On avait délivré une sorcière. Et la personne où elle était sur WhatsApp. Et Dieu me dit, enlève ta photo. Dieu. Ah. J'entends la voix du Saint-Esprit, enlève ta photo. Pourquoi je dois enlever? J'enlevais. Dès que j'ai changé, la sorcière m'a dit, pourquoi tu as changé la photo? Pourquoi tu as changé la photo? Je dis, oh. D'abord, je n'ai pas répondu. Je m'imagine pas ce que la personne voulait faire sur ma photo. Ah oui? Parce que tu ouvres la bouche, voir les choses qui se passent. Donc, je devais changer. Pourquoi? Parce que des fois, frères et sœurs, le monde spirituel existe. Hein? Ce monde est réel. Donc, tout ce que nous postons, beaucoup de choses se passent. Et j'ai changé dès la personne. Dès que j'ai changé, pourquoi tu as changé de photo? Je ne sais pas qu'est-ce que tu voulais faire, ou alors envoyer ma photo quelque part. Mais Dieu, un instant, m'a dit, change, j'ai changé. Et nous, aujourd'hui, est-ce qu'on peut changer des fois? Quand on rentre, Aurélie est obéissante, je peux demander un peu pour toi. Elle était obéissante, hein? Mais c'est moi qui l'ai ramenée dans le Seigneur, je l'ai baptisée, je l'ai mariée, on a fait des enfants. C'est pas comme Dieu. Ah, c'est ça, moi, je n'ai pas chuté, hein? Je savais où je mettais mes pieds.
Si tu ne sais pas, tu mets tes pieds, reste calme. Quand j'ai rencontré Aurélie, bon, au début, j'étais mon appelant. C'était pas où je vais te draguer, ou quoi que ce soit. C'était d'abord une brebis que je voulais pour le Seigneur. Elle-même au début voulait faire des yeux doux dans la main ou à ta main. Je dis, petite, calme. Hein? Le Seigneur. Ah oui. À deux témoignages, vous voulez faire comme ça là. Aurélie vient de loin. Hein? Tu peux témoigner aussi. Elle vient de loin. Quand j'ai vu sur Facebook, parce que j'avais fait une vidéo sur l'amour, l'amour est plus fort que la haine sur Facebook. Elle a été touchée par cette vidéo, elle m'envoie un message. Moi, des fois, on va un peu faire des stars sur Facebook. J'avais vu, mais après, parce que je réponds tout de suite, je suis trop actif. Je reviens après. J'ai répondu. Elle ne sait pas. Philippe, comment elle m'a répondu sur Facebook? Ça commence à palpiter. Bon, moi, je n'étais pas encore dans tout ça. Mais quand j'ai vu sur Facebook, ça, c'est une envoyée. Si tu voyais Aurélie avant, les photos minces, elle était là-bas, vulgaire, là, presque nue. Je dis, pardon, ce n'est pas de moi d'avoir vu ça. Mais je fais un travail, elle était obéissante. Quand j'ai dit, tu vois, tu veux changer. Vous savez comment savoir si une personne veut suivre le Seigneur? C'est quand la personne obéit à ce que tu lui dis. Quand la personne met en pratique ce que tu lui dis. J'ai dit, écoute, ma soeur, c'était l'époque, c'était soeur, c'est femme. Dis, ma soeur, ce que tu mets là, ce n'est pas de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Change toutes tes photos là-bas. Mais avec le temps, c'est venu. Change toutes tes photos vulgaires là que tu montrais là, des choses. Elle a changé, elle n'a même pas dit pourquoi. Elle a changé. Et ensuite, je ne savais pas, elle avait un piercing sous la langue. Ah, ma soeur, ça aussi parce que des fois, on s'appelle sur Skype. Change le piercing que tu as sous ta langue. Ah, ok, elle a changé. Et le jour qu'elle a changé, elle va témoigner elle-même. Il y a eu des combats. Elle a changé. Mais elle était quoi? Obéissante. Jusqu'au jour d'elle est toujours obéissante. Mais comment? Beaucoup de chrétiens, des fois, tu leur dis, change ça, arrête ça, ils luttent encore. Mais ce n'est pas la même parole, c'est la même parole. Donc les photos, des fois, qu'on nous dit, changeons. Changeons cette façon de faire. Des fois, il y a des chrétiens, moi, des fois, ça m'énerve. Tu donnes des conseils, on dirait qu'il va te faire aller, il va faire pire. Papa, tu n'as jamais cette sensation? Il rajoute papa. Je confirme qu'il est vraiment obéissant. Mm. Il n'a pas conseillé que tu n'avais conseillé. Mm. C'est vrai qu'il y a la dit. Voilà. Est-ce qu'on va là? C'est son jour, hein? Ah oui. Il y a eu cette obéissance. Mais comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Des fois, tu leur dis un truc. Arrête, ne fais pas ceci. Dès qu'elle rentre à la maison, dès qu'elle n'a pas écouté le culte qu'on vient de prêcher. Fais pire encore. Est-ce la personne à écouter? Mais elle, obéissante jusqu'aujourd'hui, elle a changé. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, on peut faire le tour de nos photos, ce qu'on met sur Instagram? Moi, papa, nous, on n'est pas là. Mais si ça continue, moi-même, je viendrai aussi. Viens, hein? Créer un Instagram un peu pour espionner, voir ce qui se passe. Mais je sais que je n'ai pas besoin, j'ai confiance en vous. Est-ce que je peux vraiment affirmer ça, j'ai confiance? Ok, je vais emprunter le Instagram de Carla, je vais vérifier tout le monde. Donc, quand vous rentrez, effacez tous les choses vulgaires. Amen. Ok, on va avancer, on arrive bientôt à la fin. Donc ici, on a parlé de quoi? Des images, des photos et tout ça. Elle avait changé. Et Lucifer, c'est aussi cet homme-là, ou de sa beauté. Toi, ta beauté, tu l'affiches trop sur les réseaux sociaux. Si tu es belle, sois belle pour toi. Si tu n'as pas encore de mari, sois belle pour toi. Dis Seigneur, je te loue. Comme David a dit, je te loue de ce que tu as fait de moi une belle créature. Je suis beau, je suis belle. Si l'homme doit venir, il viendra. Mais moi, je ne cours pas, je n'ai pas de photos. Parce que ce qui est beau, on n'a pas besoin de commencer à faire la publicité. Les choses rares restent à la maison. Ceux qui sont violents qui viendront chercher ce qui est rare. Amen. Amen. Okay, papa, nous qui a compris la profondeur, il fait. Ouais, amen. Ah oui. Les choses rares, tu n'as pas besoin de mettre tous les seins sur Facebook pour attirer les gens. Non. Sois calme. Tu es belle, mais c'est pour le Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, tu es belle, tu es beau. Je sais que tout le monde, personne n'est là ici. Tout le monde est beau. Tout le monde est belle. Amen. Mais cette beauté-là, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Et si nous allons parler maintenant du quatrième point, je pense qu'on va terminer ici. Le quatrième point qui a fait que Lucifer perd aussi le trône, c'est quoi? Le talent. Le talent. C'est un homme talentueux. Hein? Il avait tout, musique, il savait tout faire. Mais aujourd'hui, discernez. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui vous connaissaient? Je n'ai même pas besoin de dire les noms. Que vous connaissez, qui savent jouer la musique, qui savent chanter, qui sont en train de faire une dombolo. Elle confirme aussi. Confirme, petite. Même elle, elle confirme. Combien de chrétiens que nous avons connus,
qui était à fond dans la musique pour le Seigneur, mais aujourd'hui, il danse pour le monde, qui chante pour le monde. Et pourtant, le talent que Dieu t'a donné, c'est pour lui. Dis à ton voisin, ce que tu as, c'est pour le Seigneur. Oh, Église, ce que nous avons, la voix que Dieu t'a donnée, c'est pour le Seigneur. La majorité des stars qu'on voit dans le monde qui savent jouer, Satan vole leur étoile et il vient dans l'église voler ces personnes pour chanter pour lui. Et Lucifer va perdre ça à cause de quoi? Le talent qu'il avait. Moi, il n'y a que moi qui fais bien jouer la musique, raison pour laquelle il est venu sur la terre pour corrompre les gens sur la terre. S'il ne parle sur moi, et le diable donne le succès, on le sait, non? Le diable donne le succès qu'on appelle l'onction mimshak, l'onction d'expansion. C'est-à-dire, tout ce que lui va te donner, ça va marcher. Mais une seule chose qui ne marche pas, l'amour. Il peut tout te donner, mais l'amour, il ne peut pas te la donner. Et chose la plus importante qu'on a déjà prêché avec Papa Dieu, c'est quoi? L'amour. Mais ici, beaucoup perdent le talent à cause de quoi? Le monde m'attire. Dieu t'a donné quelque chose, utilise-le pour son service. Tu sais chanter, chante pour Dieu. Tu sais jouer, joue pour Dieu. Tout ce que tu fais en soi, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu as reçu, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, mets ton talent, ton don au service du Seigneur. Ce que tu sais faire, c'est pour la gloire de Dieu. Moi, j'ai une voix, Seigneur, mais je viens pour toi. Combien de personnes, de chrétiens qu'on connaît aujourd'hui, que Satan invitait, viens chanter pour moi, mais ils ont dit non, moi je reste à Jésus. Ah, si je vais parler. Ils vont te dire, tu vois dans ton église, tu n'avances pas. Hein? C'est toi, on dirait qu'on t'étouffe. Hein? Viens signer des pactes. Nous, on a la belle ici. Dès que tu mets ta voix là, ça marche. Si je veux parler. Raison pour laquelle vous allez voir la majorité des chantres chrétiens, ils chantent, mais tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Satan habitera du succès, mais il y a des choses que tu ne peux pas dire. Ah oui. Il y a des chantres chrétiens qui chantent. Il y a des choses qui sont limitées à dire. Pourquoi? Ils ont le succès, mais ils sont limités. Parce que Satan les a bloqués quelque part. Alléluia. Ils sont bloqués parce que Satan a dit, je te donne le succès. Comme je vois que dans ton église, ils ne te laissent pas, on dirait que tu n'avances pas. Ce n'est pas que tu n'avances pas. Dans mon église, il y a la formation. Il y a le temps pour être formé. Il y a un temps pour quoi? Avancer. Donc ici, on voit des personnes perdre leur place. Pourquoi? Parce que là-bas, on m'a proposé. Là-bas, on va me moindre. Là-bas, c'est comme ça. Là-bas, on m'appelle. Non, là-bas, on t'appelle. Mais n'oublie pas que Dieu t'a placé quelque part et utilise ce que Dieu t'a donné pour sa gloire. La fois que j'ai, Dieu m'a donné un don de prédication. Un jour, j'étais là en train de méditer. Je recevais des révélations. Je ne comprenais pas, j'étais encore jeune de la foi. Et c'est là où Dieu m'a dit, je te donne le don de prédication. Ce que j'ai, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est le Saint-Esprit. Des révélations qui viennent comme ça, c'est le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle le don de prédication. Mais ce don-là, je pourrais l'utiliser autrement ou ailleurs. Mais j'ai dit, Seigneur, je préfère te servir. Je préfère donner ma vie à ton service. Le savoir parler que j'ai à la Seigneur pour ta parole, c'est pour toi. Je te le donne. Mais combien de personnes aujourd'hui préfèrent, diable, moi c'est pour toi. Et vous allez voir, il y a des personnes qui parlent mieux que nous, ils articulent mieux que nous, mais ils présentent quoi? Les choses du monde. Dieu nous a donné un don pour parler pour sa gloire, mais ils ont préféré quoi? Le monde. Qu'est-ce que tu as en toi, frères et sœurs? Qu'est-ce que Dieu t'a donné pour son service? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi que toi tu laisses pour le diable? Ne laisse pas de l'espace à Satan, mais laisse de l'espace à Dieu. Parce que si tu laisses de l'espace à Satan, il va voler les grâces que Dieu te donne. Mais si tu te confies en l'Éternel, il fera de toi quelque chose. Il fera de toi quelqu'un. On n'a pas besoin de signer des pactes avec le diable pour avoir quelque chose. On a besoin de payer le prix dans sa présence pour que Dieu fasse des hommes et des femmes qui vont impacter et faire connaître son nom au monde actuel. Amen. Donc ici, le talent qu'il avait l'a poussé dans l'orgueil aussi. Et Dieu a vu. Tu as tout ça, mais il te rejette. Satan perd le trône, frères et sœurs. Il perd tout alors qu'il avait tout. Satan perd tout alors qu'il avait tout en Éden. Qui n'aimerait pas avoir des diamants collés sur sa peau? Avoir des pierres, des jaspes, des émeraudes, tout ça sur toi. Tu marches, tu brilles, parce qu'en toi tu rigoles. Hein? Tu vois une robe là que tu as, mais cette robe là, on ne sait même pas t'expliquer. Tu marches, tu mets le pied, ça fait le bout du pied. Tu mets là-bas, tam, 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 tam. Tu lèves le pied, Satan c'était comme ça.
J'essaie de décrire un peu Satan. Tu ne peux pas le décrire. Quand la Bible dit que la musique est en toi, tu ne peux pas le décrire. C'est que la musique était en lui. Donc, tout, quand il ouvrait sa bouche, c'était la musique. Puis ses pieds accompagnaient. On ne sait pas comment, mais ça se passait. Il avait la chose. Mais à cause de tout ça, Dieu le regarde. L'orgueil est entré en toi. Mais à cause de tout ça, tu perds. Dis à ton voisin que l'orgueil ne monte pas en toi. Que l'orgueil ne monte pas en nous, frères et sœurs. Parce qu'il y a une chose qu'on a des fois qui ressemble beaucoup à Satan. C'est quoi? L'orgueil. Quand on voit ça, frères et sœurs, quand Dieu voit ça dans nos vies, ça nous rappelle Lucifer. Un homme orgueilleux, c'est pas bon. Mais une femme orgueilleuse, c'est terrible. C'est pour ça que des fois, dans nos foyers, il y a beaucoup de problèmes. Quand une femme orgueilleuse... Bon, je dis rien, sinon on va me lapider. Je vais donner un dernier point. Amen. Dernier point, c'est l'avant-dernier. On a au cinquième ou sixième? Cinquième. Cinquième, donc la prochaine fois, on va développer vite fait. Là, c'est le cinquième que j'ai dit. Non, le quatrième. Donc, c'est le cinquième. Bon, j'ai pas tout, et là, j'ai pas monté à chaque fois. Ok, donc là, on va attaquer le quatrième ou cinquième? Non, le cinquième. Cinquième? Quatrième ou cinquième? Cinquième. Ok, cinquième. Donc, cinquième, on va parler de la violence aussi qu'il avait. C'est le cinquième point. Ah, c'est la violence. Vous savez qu'on parle que la terre était en forme et vide, qu'il y avait le chaos sur la terre. Qui a fait ça? Dieu, en fait, quand Dieu te voit, Dieu sait déjà qui tu es et qui tu seras demain. Donc Dieu en soi voyait déjà Satan avec cette violence qu'il avait. Il savait qu'un jour, lui, avec ses anges qui étaient déçus, parce que les anges, avant c'était des anges, aujourd'hui c'est quoi? C'est des démons. Ils ont suivi Satan. Donc quand Dieu l'a rejeté sur la terre, il est venu tout détruire. À cause de quoi? De sa violence. Et si je vais parler à quelqu'un, ne soyez pas violents avec nos enfants, nos femmes, nos familles. Parce que la violence, Dieu ne l'aime pas. Vous savez combien de foyers sont détruits à cause de la violence? Maman qui te parle, toi vraiment, tu n'arriveras jamais à tout mouner. Hein? Tu te prends pour qui? Cette violence verbale, des fois qu'on utilise, tue les enfants aussi. À force de dire tu ne réussiras pas, toi vraiment, l'enfant va grandir avec sa peau de la violence de ta bouche. Bénissons les enfants. Ah, toi, tu as fait une bêtise. Tu es intelligent, mais tu tapes, mais tu es intelligent, hein? Tu bénis. Mais que de taper, toi vraiment, tu es comme ton oncle, tu ne réussiras jamais. Toi, elle qui a dit, va là-bas. Non, nous devons bénir. Des fois, nous utilisons trop la violence. Moi, mon père m'a fait grandir dans la violence. Mais Dieu merci, tout ça c'est parti. Amen. Moi, quand papa jeune, un jour j'avais séché les cours. J'ai séché les cours. André, de là où tu veux, écoute. J'ai séché les cours. Hein. Ils ont appelé. Ton fils a fini plus tôt, hein, mais on ne sait pas ce qu'il est. Or, j'avais séché. Lui m'attendait que je rentre vite parce qu'on m'avait appelé. Et on l'avait appelé. Je rentre à la maison vers 17-18 heures. Or, j'avais fini à midi. Et j'avais séché après. Alors, dit, tu viens d'où? Non, on a un peu pris du retard au cours. Or, que lui, il savait déjà. Ok, viens. Menteur que j'étais. Viens. Son jour-là, je ne vais jamais l'oublier. Mon père m'a dit, viens. Son vieil, il n'y a pas d'où là. Il n'y a pas de truc qui se passe là. À chaque fois, mon père, il aurait peut-être témoigné de tout ce que je dis. Viens. Dès que je me suis approché, hein, boum, coup de poing dans l'estomac. Je pensais que j'allais mourir ce jour-là. Mes yeux allaient sortir de moi. La violence. Il m'avait donné de ces coups-là. Je pensais que mon estomac allait sortir dans ma bouche. J'avais mal parce que lui, il était militaire. Donc lui, il ne calculait pas ses forces. Quand il te tapait, il pouvait te mettre par terre. Il t'écrase de l'ordre des couteaux, des casseroles. Lui, il pouvait te tuer comme ça. La chasse est vraiment. Quand il te tapait, lui, il te tapait. Faire grandir les enfants de la violence, ça crée des monstres. Et en grandissant, je commençais à avoir aussi de la haine contre les gens. Je haïssais les gens. Je voulais aussi taper sur les gens. Pourquoi? Ce que tu reçois, c'est ce que tu donnes. Le Dieu merci, il a enlevé ça, il avait son amour en moi. Aujourd'hui, je peux aimer. Moi, taper, nommer, comment ça? J'ai compris que ce que tu donnes à l'enfant, c'est ça qu'il va avoir. Donc, cette méchanceté, la violence, Lucifer avait aussi ces choses en lui. Parents, nous, les futurs parents, même les personnes qui sont en couple aussi, je vais parler pour eux. Toi, tu es en couple, à chaque fois, tes mots blessent ton conjoint là. Hey. Vous savez, il y a une parole qui dit, il y a des mots qui font plus mal que des coups. C'est vrai, hein?
Il y a des mots qui font plus mal qu'ils découvrent. Il y a des personnes qui préfèrent que tu le gifles que tu le parles mal. Bien attention. Ah oui. Il y a des paroles, des fois on te dit, tu perds l'appétit, tu quittes même la maison, tu reviens après. Des fois tu préfères une gifle que des paroles. La parole peut détruire une personne qui est en Afrique. Tu dis une parole au téléphone, il coupe, il se suicide. Parce qu'une parole mal dite. Donc nous qui sommes là, qu'est-ce que tu dis à ton mari? Même si la personne a tort, l'humilité de l'amour. Même si la personne a fait, non, comment? Toi vraiment, tu vas voir, tu ne changeras jamais, ils avaient raison. Oui, ils ont raison, ta famille avait dit que toi tu es comme ça. Violence, n'utilise pas ça. Si tu veux changer une personne, c'est dans l'amour, dans l'humilité. Haine contre haine, ça ne marche pas. Donc, utilise l'amour. Toi là, t'as vu ta tête, on m'avait dit. D'ailleurs, j'ai entendu, quand tu dis ça, tu détruis la personne. Et nous, les hommes, des fois, dans cet égo, ouais, ça ne touche pas, c'est pas grave, je m'en fous. Mais quand tu sors, tu réfléchis. Ça t'a touché? Les paroles qu'on nous dit, les paroles qu'on dit aux autres. Même si tu es fâché parce que des fois, non, mais j'étais hors de moi. Qui est rentré de moi, alors? J'étais hors de moi. Qui est rentré alors? Non, mais il m'a poussé à bout. Il t'a poussé à bout. Calcule tes mots quand tu es en colère. Parce que ce que tu dis, ça va engendrer beaucoup de choses dans la vie de la personne. Non, mais parce que je n'ai pas aimé l'acte qu'il a fait, je n'ai pas aimé ce qu'il a dit, tu n'as pas aimé. Merci Saint-Esprit. Est-ce que malgré tous les péchés que nous avons commis, Jésus nous a traités? Nous là, que nous sommes là, nous sommes les plus grands pécheurs. Mais est-ce qu'un jour, Jésus est venu, toi vraiment, tu commences à t'insulter? Le Jésus qui a l'autorité, le pouvoir de nous insulter, jamais ne l'a fait. Pourquoi nous, on insulte ses enfants parce qu'ils ont mal agi? Pourquoi nous, on parle mal? Oui, mais parce que tu as vu ce qu'il a fait, ce qu'il a commis. Il a commis. Ok, parle bien, mais ne traite pas la personne. Corrige les gens sans les humilier. Alléluia. Corrige les gens sans les enfoncer. Mais aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, il va me sentir. Tu as entendu une histoire, tu as entendu, tu étais au courant. La haine de Lucifer, la violence de Lucifer, c'est ça que tu dis. Non, non, non. Annie, aujourd'hui, il va me sentir. Ce que j'ai entendu qu'elle a dit sur moi, là, il va me sentir. Wendy, aujourd'hui, tu vas sentir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu que. Oh, des fois, tu t'énerves à cause de ce que tu as entendu. Mais est-ce que c'est vrai? Tu te ridiculises pour rien. Des fois, c'est ça. Tu as entendu, tu prends la personne. Toi, la personne. T'as fini? Qui t'a dit ça? Lui. Ok, on l'appelle. T'as dit ça? Oh non, non. Ah, pourquoi tu t'énerves pour rien? La haine de Lucifer, des fois, c'est ça. La violence qu'on utilise dans nos paroles, dans nos mots. Quand tu parles aux gens, frères et sœurs, fais attention. Chaque mot que tu dis aux gens, dis bon, si je dis ça, qu'est-ce que ça peut créer dans son cœur? Si je dis telle parole, est-ce que ça va le construire ou détruire? Parce que Lucifer n'était pas sage. Il n'a pas réfléchi. Il est venu tout détruire. La terre, boum, tout détruit. Heureusement que Dieu avait tout quoi préparé par la parole. Amen. D'autres points, on le verra plus tard. Mais ici, frères et sœurs, on a vu ces quelques points-là. Lui, il a perdu le trône. À cause de quoi? De tous ces points-là qu'on vient de voir. Il reste encore quelques points. Mais ici, là où tu es, est-ce qu'il n'y a pas des points aussi qui peuvent faire en sorte que tu perds le ciel? Est-ce qu'il n'y a pas des sentiments en nous, frères et sœurs, qui peuvent faire en sorte que nous puissions louper le ciel? Chaque fois que quelqu'un voulait prendre la place de Dieu, qui voulait être comme Dieu, a perdu quelque chose. Adam voulait être comme Dieu, a perdu le jardin d'Éden. Lucifer voulait prendre la place de Dieu, il a perdu le trône. Toutes ces personnes qui voulaient la gloire de Dieu, ils ont perdu quelque chose. Alors là où tu es, frères et sœurs, est-ce qu'il n'y a pas des sentiments que tu peux regarder à l'intérieur de toi qui ressemblent un peu à Lucifer? Que Dieu peut dire, écoute, tu chantes bien, tu prêches bien, tu fais tout bien, tu es belle, tu as tout, tu as une belle voix, mais je te rejette. Beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, mais je ne vous connais pas. Est-ce que nous ne sommes pas dans cette catégorie des fois, dans l'église? Il est temps de réfléchir. Quand tu écoutes ces messages, ne rentre pas tel que tu es rentré. Prends le temps des fois de réfléchir. Réfléchissons dans notre marche chrétienne, notre façon de faire les choses. Dis, Seigneur, où est-ce que je ne fais pas bien? Des fois, dis à Dieu, quand tu pries, comme je dis toujours, avant de prier, avant de dormir, ne dis pas des fois, Seigneur, révèle-moi qui est contre moi. Révèle-moi qui est sorcier. Révèle-moi qui doit mourir. Non, révèle-moi l'état de mon cœur. Montre-moi ce qui ne va pas en moi, Seigneur. Saute mon cœur. Je ne vais pas voir qui est sorcier, parce que voir qui est sorcier ne va pas te sauver. Mais voir ton péché va te sauver. Dis-lui, Seigneur, montre-moi ma méchanceté. Montre-moi ma haine.
Montre-moi le mauvais cœur que j'ai contre mon frère, ma soeur, dans l'église. Montre-moi les mauvais désirs que j'ai contre quelqu'un dans mon église, Seigneur. Je veux changer. Le temps est arrivé des fois que tu déchires ton cœur parce que tu veux changer. Dis à Dieu, papa, je sens que ces derniers temps-là, moi et Jonathan, ça ne passe pas parce que ce jour-là, il y a eu ça. Père, montre-moi, change-moi. Je veux te changer, Seigneur. Je ne vais pas continuer à vivre comme ça. Si j'ai quelque chose contre quelqu'un, Père, je vais m'arranger. Parce que je suis l'enfant de lumière. Je ne suis pas l'enfant de Lucifer. Et si tu es l'enfant de Dieu, tu vas chercher le changement. Un véritable enfant de Dieu cherche le changement. Un véritable enfant de Dieu cherche à mettre la paix là où il y a la guerre. Un véritable enfant de Dieu n'aime pas les conflits, mais il aime la paix. Est-ce que nous sommes de ces chrétiens qui veulent la paix autour d'eux? Est-ce que nous voulons être des chrétiens, frères et sœurs, qui mettent la paix autour d'eux? Le temps est arrivé que nous puissions mettre la paix autour de nous. Parce que moi, je refuse que Dieu me dise que tu ressembles à Satan. Qu'au jour de jugement, Dieu me dit, toi, tu vas à gauche. Toi, tu vas à gauche qui est réservé pour le diable. Je refuse. Qu'il me dise, toi, tu vas à droite parce que tu as aimé les gens sur la terre. Amen. Tu as pardonné les gens sur la terre. Amen. Tu as fait du bien aux gens sur la terre. Est-ce qu'on a un bagage à présenter à Jésus? Qu'est-ce qu'on peut présenter à Jésus, Église? Ce message vient encore pour nous faire réfléchir là où nous sommes. Parce que moi, je refuse de ressembler à cet ange déchu qui a perdu sa place au ciel. Amen. Amen. Donc là où tu es, commence déjà à voir ton cœur pendant que tu te mets à debout. Pardon. Pendant que tu te mets debout, vois en même temps l'état de ton cœur. Il faut que cette semaine qui commence encore, tu sois différente. On a parlé de la façon de prier aussi dans l'église, il faut que ça change. Ton attitude à l'église, il faut que ça change. Il ne faut plus attendre qu'on te force. On va commencer ce mercredi encore. Papa Dieu va commencer. Venons nous encourager les uns les autres. Mettons cette motivation. Venons, encourageons. Alléluia. Donc là où tu veux, vois l'état de ton cœur. Ne vois pas le péché de l'autre ou quelqu'un qui est à côté de toi. Mais vois d'abord ton propre cœur à toi-même.